Collatéraux des conflits, et puis il y a, ça a été dit déjà, mais rappelons-le, les populations déplacées massivement depuis 2015. Beaucoup actuellement se réfugient à Djibouti, on en parle parce que là il y a une structure, un refuge officiel, et puis il y a le choléra qui fait de très nombreuses victimes et qui redécline la crise maintenant d'une manière sociale et aussi celle et aussi les réseaux des personnes. C'est-à-dire que si on ne peut pas acheter de quoi purifier l'eau, on est évidemment dans une très mauvaise situation. Vous avez une carte sous les yeux qui a été publiée par le New York Times, et vous voyez en bas l'échelle va de 0 à 300 pour une population de 10 000 personnes. Et vous avez dessous un graphique en colonne qui vous montre, qui vous donne une échelle relative. Vous voyez la première colonne noircie, c'est le Pérou en 1991, ensuite vous avez Haïti, et en rouge vous avez la situation du Yémen aujourd'hui, d'après les chiffres, la source est indiquée. Les ONG humanitaires, je vais citer les quatre grandes, actions contre la faim, Médecins sans frontières, Médecins du monde et CARE, ne peuvent pas travailler correctement. Il y a la question de l'embargo dont M. Sarr a parlé tout à l'heure, mais en fait il y a de multiples problèmes qui font qu'aujourd'hui ces ONG ne peuvent pas travailler. Et une précision importante pour les discussions sur les chiffres, ces ONG de plus en plus, lorsqu'elles établissent leurs statistiques, le font d'une manière compréhensive par rapport à la situation sanitaire donnée. Donc les chiffres d'aujourd'hui sont difficilement comparables avec plus anciens, aussi pour des raisons techniques. On va passer à la carte. Il se trouve que cette carte du Yémen, qui me sert à vous montrer où se passent les conflits, donc en gros c'est une ligne nord-sud, et puis ça les conflits sont redéployés sur le long de la mer Rouge, et il y a quelques problèmes le long des côtes du Hadramaut, vous voyez en direction de Kalla, et puis quelques désordres à l'intérieur, mais globalement c'est entre le nord et le sud que ces conflits sont déployés, et c'est là aussi que beaucoup d'atteintes au patrimoine culturel du Yémen se sont produites. Donc vous voyez, les trois cartes en fait se recoupent parfaitement. Donc, les atteintes au patrimoine culturel doivent être mis en plus, hein, pour dire qu'il faut. Ça s'ajoute au reste parce que le patrimoine culturel fait partie de l'environnement par rapport auquel un individu
un groupe social, un groupe socio-professionnel se construise. Il y a un volet psychologique, il y a des questions de statut social, il y a des questions de statut professionnel, socio-professionnel qui sont en jeu, et donc ces atteintes ne sont absolument pas anodines. Je vous montre une petite image. Je voudrais vous montrer, vous donner une idée de la richesse du patrimoine culturel yéménite. Alors, cette richesse, photo suivante, vous en avez ici une première vue. Elle est beaucoup archéologique et elle est beaucoup aussi architecturale. Et vous avez aussi une photo des magnifiques terrasses qui sont le, qu'on trouve dans les, sur les hauts plateaux et qui sont liées à un savoir agraire et un savoir de l'irrigation. Donc on inclut dans le patrimoine culturel aussi les traditions orales. Les pièces de ce patrimoine se trouvaient dans le musée de Taès. Donc vous voyez quel état on l'a retrouvé après qu'il ait été, qu'il ait reçu des bombes en 2016. Et je passe par contre une photo. Ça, c'est le musée de Zama avec le nombre d'objets qu'il abritait avant-après. Alors, cette richesse vient de sa diversité qui est régionale. Tout à l'heure, vous avez vu une maison tour de Sanaa, mais en fait, rien que si on prend l'exemple de l'architecture, on se trouve devant une diversité extrêmement grande d'une région à l'autre. Et aussi, cette diversité vient aussi des aspects multiples de ce patrimoine que l'on trouve illustré au Yémen. Ici, vous avez une bibliothèque privée dans les traits de Zabid. Zabid est une des grandes villes sunnites du pays qui a abrité, qui a été le centre des études sunnites pendant des siècles. Et des bibliothèques privées de ce type, on en trouve sur pratiquement l'ensemble du territoire. Ici, vous avez des boîtes de rangement. Vous avez eu les armoires en fer tout à l'heure, mais vous avez quelques boîtes de rangement pour des jus de Coran, donc ces petites boîtes en bois, qui sont très fragiles. Et je vais continuer à vous présenter l'aspect manuscrit du patrimoine, c'est un aspect sur lequel personnellement je travaille. J'essaye avec ce texte de vous donner tout de suite une idée de la complexité de ce qu'est un manuscrit et de tout ce qu'il représente. Un manuscrit, c'est un texte, mais c'est aussi du papier. Vous avez ici plusieurs exemples de papier qui sont les premiers italiens, mais vous avez ici un papier extrêmement intéressant qui porte un contremarque écrite en caractère en alphabet arabe. Et ensuite, vous avez ce papier qui est extrêmement intéressant pour l'histoire du commerce dans la région. C'est ce que j'essaye de vous montrer. En fait, au travers de ces papiers, c'est une source extrêmement importante pour l'histoire du commerce. Et ce papier est, rien qu'à lui seul, un épisode du commerce du papier tel qu'il s'est instauré à la fin du 19e siècle, qui passait par l'Inde
et par les réseaux indiens qui se trouvaient sur la Corne de l'Afrique et au Yémen. Ensuite, vous avez cet autre papier produit en Angleterre, qui est sûrement arrivé dans les bagages des occupants anglais de Aden. Et puis, je voulais vous montrer quelque chose qui est très particulier, qu'on en trouve au Yémen, qui s'appelle une safine, hein, et qui est une forme de manuscrit qui est peut-être défini par à la fois son contenu et puis son format. Vous voyez, c'est un format calepin. Et ce format se trouve en Iran, il se trouve, dans le manuscrit persan, et il se trouve dans le manuscrit ottoman, et il se trouve aussi au Yémen. Ensuite, je voulais vous montrer un manuscrit grand format, zaïdite, et ses nombreux commentaires dans les marges pour venir petit à petit à l'idée que quand on parle du patrimoine culturel, on pense souvent à un patrimoine matériel, mais qu'il ne faut pas oublier le patrimoine immatériel. Et ce manuscrit est une bonne transition, puisque ici, dans les marges, vous avez les éléments de la transmission orale du savoir. Je vous présente des codex. J'aurais pu parler des archives, qui sont un point très important aussi. Ce sont des manuscrits, et beaucoup ont été détruites. Donc c'est aussi l'histoire du pays qui était contenue dans ces archives à partir des Ottomans, beaucoup, et puis aussi même beaucoup. Alors, ce patrimoine est sous-étudié, et donc ça veut dire que ce qui est détruit est détruit, et que ce qui quitte le pays part avec son histoire. Ensuite, je voulais vous montrer cette image qui est prise au pèlerinage dans le Hadramaut, au pèlerinage au Qabarhoud. C'est un pèlerinage annuel que la présence russe dans la région n'a jamais réussi à complètement éradiquer, et qui est reparti ces dernières années de plus belle. Et donc, ceci pour vous parler, vous montrer une démolition en règle faite par Daesh d'un mausolée dans la région de Moka, sur la mer Rouge. Donc c'est très important parce que ça permet de montrer que en fait Daesh a en général des objectifs ciblés. Voilà. Donc les destructions ne sont pas dans les mêmes proportions que celles perpétrées par la coalition. Évidemment, je vous ai montré tout à l'heure le musée de Mama. Donc c'est pas la même conversion, mais aussi existe, il y a des destructions de mausolées, de mosquées, donc qui sont très liées à tout ce qui est culte au tombeau, culte au mausolée. Ici il y a un lien qui amène à voir qui permet de voir la destruction d'un mausolée en temps réel. De le diffuser aujourd'hui, mais c'est possible de le voir. C'est dans les environs de Thaïs. Il y a beaucoup de mausolées qui ont été détruits dans les environs de Thaïs. Question: comment faire un bilan de l'état du patrimoine culturel? Ça, c'est un vrai problème. Il y a des listes qui circulent veulent documenter le patrimoine culturel qui a subi des dommages, qui a été détruit. Ces listes sont de longueur extrêmement variable et elles sont la plupart du temps non documentées, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas la preuve, l'image avec.
Il faut savoir aussi que, je vous ai montré le musée de Saint-Marc qui a été bombardé, il y a des pièces qui ont été retrouvées sous les décombres et par centaines. Et ceci a été le travail des antiquités. Mais pour faire cela, il faut avoir des fonds, ça représente un coût. Ensuite, il y a la contrebande. C'était aussi les raisons pour lesquelles il était bon de vous parler des manuscrits, parce que ce sont des objets mobiles. Et aussi, ils sont particulièrement non visibles. Un bâtiment détruit, on le voit. On peut obtenir une photo, dans le meilleur des cas, mais photographier la contrebande de manuscrits, c'est quelque chose de difficile. Alors, bien sûr, on a une idée des circuits par lesquels les manuscrits sortent. Et il y a un lien par l'aéroport de Djibouti, puis l'aéroport de Beyrouth. On sait qu'il y a une zone d'évacuation des manuscrits qui part comme ça. Et ensuite, on a une idée des clients, c'est-à-dire on pense que la clientèle qui achète des manuscrits du Yémen depuis des décennies reste la même. Donc on sait à peu près où ça va, sauf qu'on n'a aucune idée des proportions de ce trafic. Ensuite, il y a ce que j'appellerais l'agenda des termites. L'agenda des termites n'a rien à voir avec l'agenda des conflits. Donc, récemment, il y a une année, une bibliothèque importante à Zabid a demandé un financement dans une fondation européenne pour avoir de l'argent simplement pour refaire le toit, parce que les termites mangeaient le toit de la bibliothèque. On arrive à des conclusions et ce sont plutôt des requêtes, des appels d'urgence. Donc évidemment, ça a été dit, stop aux ventes d'armes de la part de la communauté européenne. Angela Merkel a déjà, il me semble, dit que l'Allemagne ne vendrait plus d'armes à l'Arabie Saoudite. Les Anglais ont trouvé une solution extrêmement anglaise. Qui consiste à. Ils ont dit qu'ils avaient fait signer un papier aux Saoudiens, donc ils leur vendent des armes, mais les Saoudiens se sont engagés à ne pas les utiliser. Donc je pense qu'il faut absolument faire une proposition commune. Ensuite, il faut, je crois, réviser la position de la communauté européenne par rapport à la coalition, ça a été dit. Le soutien est maintenant un peu ennuyeux, puisque, cela a été dit aussi, les objectifs sont non seulement pas remplis, mais en plus, ils deviennent douteux. Et il faudrait permettre à l'aide humanitaire d'urgence de fonctionner. S'il y a des questions, je pourrais donner des détails. Et il faut, et c'est vraiment l'accent mis sur le patrimoine par lequel je voudrais finir, soutenir les institutions qui sont sur place. Parce que ces institutions, elles doivent continuer de fonctionner, comme l'organisme des antiquités. Et c'est eux qui ont retrouvé des objets sous les décombres du musée de Zama. Il y a la police aux frontières. L'UNESCO a organisé des formations des douaniers pour pouvoir identifier les manuscrits importants. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un manuscrit ? Et enfin, appeler à la nécessité de constituer une archive. Si en effet nous n'avons pas, ça commence par le fait d'avoir une espèce de couverture des atteintes au patrimoine aujourd'hui, ce qu'on définira comme un temps T1, pour voir ensuite dans un temps T2 ce qui a encore disparu. Et aussi aller à la pêche aux archives que nous avons dans différents pays de la communauté européenne pour que le jour de la construction, nous puissions être à pied d'œuvre immédiatement. Car sans archives, comment reconstruire le patrimoine yéménite ? Et enfin, je voudrais terminer en attirant l'attention de la salle et des membres de la communauté européenne sur le cas de Socotra. Qui est un cas extrêmement intéressant à étudier aujourd'hui, puisqu'il est vraiment la préfiguration d'une partition du Yémen qui se fait subrepticement, tranquillement,
et avec un bétonnage, semble-t-il, d'après mes informations, des côtes. Il faut savoir que Socotra a une faune et une flore qui sont absolument exceptionnelles et ont été conservées au cours des siècles. C'est-à-dire que beaucoup d'exemplaires de plantes et de faunes sont endémiques, c'est-à-dire de Socotra, et leur existence est documentée depuis le Moyen Âge, au moins depuis enfin, les textes qu'on a renvoient à plusieurs siècles d'existence de ces plantes. Et il y a toute une économie avec la pêche, le tourisme qui est en train de s'organiser à Socotra et des distributions aussi de visas en direction des Émirats arabes unis.